Adieu. Merci d'avoir accepté mon invitation pour ce nouveau Focus membre. Je rappelle rapidement le principe. Je vais te poser trois questions. Je vais te demander d'y répondre de manière précise et concise afin que les autres membres du club puissent en savoir plus sur ce que vous faites. Voilà. Évidemment, la première question est toujours la même. Qui êtes-vous et que faites-vous? Alors, bonjour Laurence et merci beaucoup pour ce petit Avec plaisir. interview. Content d'être là. Donc moi je suis Mathieu Arnaud et je travaille dans cette industrie, l'industrie de l'affichage du display depuis 25 ans environ. Et je travaille chez InFiLED. Et InFiLED, on est un des leaders mondiaux de la fabrication d'écrans LED. Et on fabrique des produits de toutes sortes pour l'affichage grande taille. On a un positionnement un petit peu différent de nos concurrents. On est sur des produits de qualité et une offre de service de qualité. On a un process de calibration notamment et de contrôle qualité pardon, extrêmement rigoureux. Il y a eu beaucoup trop d'installations d'écrans LED de mauvaise qualité et nous, on a la prétention de vouloir tirer ce marché vers le haut en offrant une offre de qualité. D'accord, super. Et justement, quels sont vos marchés cibles chez Infiled? Alors nous, on cible tous les marchés sur lesquels on peut poser un écran d'affichage grande taille, donc les marchés corporate avec des solutions all-in-one abouties, des marchés de control room pardon, avec au pixel pitch fin, donc on commence à 0,7, 0,9, pitch 1,25, c'est ce qu'on met en général pour ce type de solution, avec également une nouvelle gamme de produits avec des châssis de la taille d'un écran 55 pouces pour pouvoir remplacer facilement les installations qui ont été faites par le passé sur du LFD. On adresse les marchés retail avec des solutions de qualité et facilement intégrables. Les marchés de sport avec des produits pour faire des cubes pour les arénas, des périmètres autour des stades ou tout simplement des écrans géants dans des stades. Tout ce qui est studio virtuel avec des produits répondant aux exigences de ce marché avec des fréquences de rafraîchissement assez hautes par exemple. On fait beaucoup de plateaux télé avec des produits de qualité durables. On a beaucoup de clients qui nous font confiance comme TF1, TMC ou BFM TV. Des produits de location, le marché rental qui est très important avec une offre variée. Et on fait également du sur-mesure, c'est-à-dire qu'on sait répondre à des cahiers des charges bien spécifiques pour pouvoir aller faire quelque chose de totalement différent et sur mesure. Et on a quelques réalisations et beaucoup de projets en cours d'ailleurs sur ce marché-là où il y a un désir de pas mal de partenaires de faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. D'accord, super. Et justement, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur votre plan de développement à 5 ans? Bah, à 5 ans, moi je nous vois bien numéro 1 sur tous les marchés. C'est notre ambition, humblement. Je pense qu'on peut clairement y prétendre. On a également pour ambition d'étoffer notre équipe commerciale et technique. Et puis dans l'univers de la LED, il y a vraiment quelque chose de très important, c'est de il faut montrer les produits. On aimerait beaucoup pouvoir avoir un showroom en France, à l'image de ce que nous avons à Barcelone, à Francfort, à Dubaï, bientôt à Londres. Et donc, on a un projet d'ouvrir un showroom bien avant les 5 ans en région parisienne. Voilà, je nous vois leader du marché avec une offre de produits, celle que nous avons aujourd'hui, notamment, nous permet de le faire. Donc, on peut prétendre clairement à ce positionnement-là sur le marché. Écoute, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Et puis pour le showroom, bah avec plaisir. Tu sais que nous, on organise souvent des afterworks chez les membres. Donc, dès que le showroom est disponible, on fera un afterwork avec plaisir chez vous si vous nous invitez. Bien sûr, super. Bon, super. Bon, bah, écoute, merci. C'était très, très, très précis et très clair. Donc, tu as bien répondu au cahier des charges. Super. Et puis, bah, écoute, je donne rendez-vous au prochain événement du club qui aura lieu fin juin. Voilà. Avec Merci pour plaisir. tout. Merci.